Ouais, regardez très bien cette photo, regardez très bien cette photo. Je fais mon entrée au studio pour vous parler de cette dame-ci qui fait fort dans les réseaux sociaux. Vous savez, elle a des danses obscènes. Elle s'appelle, comme vous le voyez très bien, Aka Muera. Elle a un nom japonais. Pourquoi elle a pris ce nom japonais? On va d'abord commencer de son vrai nom. Elle s'appelle Coco Danyoko. Bon, en fait, elle est actrice. Compositrice, comme vous le voyez très bien, elle est franco-malienne. Il faudrait que les Gabonais ou les Camerounais puissent retenir ceci, que Nakamura, de son vrai nom Coco Da Nyoko, c'est une malienne, compositrice, actrice. Donc, elle a fait un peu dans l'interprète, elle interprète les musiques, malgré qu'elle danse, elle a des danses un peu obscènes. Puisque nous sommes en direct, pour ceux qui me demandent son âge, elle est née le 10 mai 1900. Pour ceux qui me demandent son âge, elle est née le 10 mai 1995. C'est une malienne, comme je vous ai dit. Il faudrait que vous puissiez retenir son âge. Donc, elle a 28 ans, parce que vous m'avez trop écrit. Pour le moment, si. Elle a une vie amoureuse, mais elle n'est pas encore mariée. Donc, vous pouvez la taguer. Elle a un enfant. Elle vit avec son petit ami. Pour le moment, si. La taille, comme vous me demandez, elle a 1,74 m. Bon, en fait, c'était la fin de la vidéo de l'une de notre célèbre actrice, compositrice, interprète des musiques. Donc, vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous avez besoin de notre influenceuse TikTokeuse Nakamuela. C'est comme vous voyez très bien, elle annonce même son concert bientôt qui sera d'ici décembre. C'était la fin de notre bulletin d'information. Si vous nous avez entendu, je remets l'antenne à l'un de nos célèbres reportages qui est déjà sur le terrain. Il s'appelle Romerio. C'est aussi à peu près un japonais. À vous le studio, si vous m'entendez très bien, la réalisation était réalisée par Daniel Nikon, l'un des célèbres journalistes monteurs sortis dans une très grande école de la place. Et pour ceux qui ne savent pas, ici même à Yaoundé, l'école de l'audiovisuel. Donc nous vous remettons l'antenne, si vous le voulez très bien. Nous étions en direct ce jour-ci. Nous sommes déjà en novembre que nous avons fait cette vidéo que nous vous avons parlé de la Starmania Aka Muela. Ouais.